La courbe entrepreneuriale nationale avec les jeunes est, en tout cas, n'est pas bonne parce que il y a des personnes, des études qui ont révélé que en Afrique, c'est 14 personnes sur 1000 qui entreprennent, alors que sur les Asiatiques, c'est 500 personnes sur 1000, voire 800 personnes sur 1000 qui entreprennent. Vous voyez, pendant que les autres sont peut-être employés ou autres. Mais vous voyez, 14 sur 1000, c'est presque personne. C'est parce que les entrepreneurs qui réussissent, moi, les entrepreneurs même qui sont dans l'entrepreneuriat, ne donnent pas un bon résultat. C'est-à-dire, ils ne sont pas gays, ils ne sont pas toujours à dire que l'entrepreneuriat c'est bien, l'entrepreneuriat c'est cool, mais ils sont toujours à dire, ben, on n'a pas de financement, nous ne sommes pas accompagnés, l'entrepreneuriat c'est dur, on ne dort pas dans l'entrepreneuriat, on a telle difficulté, l'entrepreneuriat c'est... une suite de difficultés qu'il faut vivre, un parcours du combattant. Donc ce mauvais témoignage est pour nous la principale raison.